Pourquoi il n'y a pas de requin spécial? Bon là toi aussi, la bonne affaire, c'est mon train de tuer mon Shunter World. Je vais devoir tenter de faire un Kukuyaku Shunter. On s'accorde des Robignoles. Faire le Robignol. Robignol. Montrer qu'on est héros. Enfin, après il a tenu un jour de la semaine, donc vers minuit. Minuit peut-être. Pas l'histoire de la Kukuyaku. Le Kukuyaku de mort. Ce qui paraît plaisir. Faire
Sabotage! Para bota o dado! 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 Pai, assim de sol! Cheira ruim! C'est nul. Salut. Salut, c'est. Ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Quelqu'un qui est bien. Je suis en train de voir si il y a des événements intéressants cette semaine. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, il y a le truc du désert, ouais, on a plus grâce la semaine dernière. Pas j'ai cru attendre ce qui est faisable pour mes alphas. Peut-être en une sorte. Ouais. Trop que du coup ça va le faire. J'en ai assez de repasser la moche. Ouais, ça peut être compliqué, je sais. Ah, j'ai que 3 contrats d'alpha. Moi j'en ai pas bien même. J'en dois avoir une chance en même. La racine, tu dégages.
Non. Waouh, putain de merde. Et Pierre, c'est combien toi? 70. Bah si tu veux, la prochaine quête, tu peux venir avec moi si tu veux, parce que je suis en train de faire les trucs pour les Wyvern Rapace. Hein. Je suis en train de taper du pied si ça t'intéresse. Ah, j'ai le temps, de toute façon. Quoique, je peux commencer avec le QAQ. Vous avez compris, c'est sur le clan. Clan. Ouais, attends, c'est sur le clan, c'est pour ce que tu veux me dire, quoi. Je t'invite, après. C'est bon, j'ai fini mon bouquet. La merde, ouais, la merde, et la merde.
C'est bon, je t'invite. La même carte, c'est ça? Oui. Ok. Tu veux qu'on pense quoi comme on pas? C'est toi qui vois. Sauf le dragon ancien. Sauf quoi? Sauf le dragon ancien. Sauf le dragon ancien. Ouais. Pourquoi? T'aimes pas? T'arrives pas? T'as le level? Chiant. Ok. Mais bon, t'auras tourné sur du bouquet. Et 3 récompenses, comme ça, ça augmente en même temps le truc de la semaine. C'est bon, quand tu seras là, tu pourras aller avec le passé. T'as foutu à un joueur. Ah putain, truc de mode. Ah, c'est du réflexe de guerre, ça. On est habitué tout le temps tout seul. Tiens, hop, c'est la personne. C'est reposé. Alors, si... On va le monter.
Normalement, t'as un tout cliqué sur la carte. Ouais, je le vois. Ok, c'est bien. Bon, il y a de fortes chances que je te laisse le faire tout seul un petit moment, parce que j'ai ma quête pour le petit monstre. Hop. Bon, hop, déjà j'ai la bouse. Katana. Full DPS. Pas dit que j'ai pas changé d'art depuis 7 jours. Et qu'il est en régénération. Des os. C'est nos Jiva. Ah, Xeno! Ah, j'ai compris, celui des os. Ok. Mais il est gros celui du Xeno. Il a deux joyaux. J'ai pas fini mon rooster comme ça. Il faut que il y ait une attaque sur le
qui m'en demande plus 2. Non, là, il y a des débris là-bas. Oh, il m'a pas rassuré. Trouvez les six bouquets de merde. J'en avais découvert.
L'heure ancienne est l'heure aussi. Dégage, Harrison. Bah là, on va aller taper devant le jardin. On va taper devant le jardin, quoi. De quoi? Est-ce que c'est la période de faire devant le jardin? Ouais. Let's go. Encore la merde. Oh, plus de renflette. Oh oui. Foutu renflette. Tu en fais du bruit quand tu renflettes. Anjana. Let's go Anjana. Ouais, je peux tout bien. Ben écoute. Est-ce que ça t'intéresse de taper de l'alpha avec nous tranquillement, pépère? Oh, tranquille, tranquille. Mais de toute façon, on peut aller faire de l'alpha 4 si vous voulez. Là, je vais lancer un contrat Anjana. Salut, gars. Yo, bien quoi? Tranquille. Donc toi tu viens faire de l'alpha avec nous bro. Vas-y. Yo Dunky, viens. Yo, je passe juste dire bonjour, je suis avec un pote qui bat les velles, je vais aller l'aider. Ah d'accord. Ça roule. Et puis bah pareil, je vais aller pareil après.
Après, je vais faire d'alpha. Vas-y, bah, si on a une petite place, avec plaisir, on le prendra. Hein. Ouais, y'a pas de soucis. Je me suis mis bien, je me suis mis à 500 de défense. Je suis chaud. Wow, ça va. Ouais, il le fallait parce que. Après, t'es pas forcément obligé de mettre 500 de défense. Hein. Moi, j'ai pas 500 de défense, pourtant, je m'en sors pas ouais. Trop mal. Hein. Ouais, mais je sais pas, t'es plus mobile ou quoi. Moi, il faut que je place. Oh, vu l'arme que je suis en train de jouer, t'inquiète pas, je suis pas non plus très mobile. T'es à quoi là? La grande sword. Bah vas-y, je vais essayer de revenir, après tu me diras. Vas-y, tranquille, y a pas de soucis. Hein. Tranquille, les gars, à toutes. Vas-y, à toutes, Gunku. Yes. Vas-y, je t'invite, Wam. Et le contrat, il est mis. C'est Terreur, je me rappelle pas comme pseudo. Tueur. Ascétique. Ok. Ouais, tueur ascétique. T'es là? Non. Non, mais justement, pas toi, moi. Mais tueur ascétique. Attends, je te fais une invitation au pire, si t'arrives à te rejoindre. Je pense. Ils vont nous braquer avec des lames de poulet. Dans le clan des tétras, toi, non? Ben, rejoins la session des tétras. C'est mon name. Ouais, c'est ça, ouais. Et encore, si t'es fini à la piste, putain, c'est que j'étais généreux de t'avoir dit ça. Hein. T'es sorti par le mauvais trou, mon cousin. Voilà, on va taper de Lanjana parce que c'est la quête spéciale de cette semaine là. Et je viens de taper les Pookés. Le truc qu'on va, je viens de faire Pookés, tu vois quoi. Donc le bah Wyvern Rapace, j'ai tapé du Pookés, j'avais du Pookés Alpha. Là il y a la chasse, donc Lanjana, il faut en faire 4, je vais les commencer, j'ai assez de contrats pour qu'on le fasse. Et après il y aura les monstres Alpha, donc après la requête, donc d'ici une heure la truc elle est faite quoi. Yep. Non, moi je m'en fous, moi je suis grande épée, DPS, donc bon, par contre, on t'entend doucement, hein. Y'a madame qui dort, c'est ça?
On va essayer de le capturer. Parce que j'ai un contrat où est-ce qu'il faut les capturer, donc... Et au fait, madame, ça va mieux ou elle est toujours malade? Oh, c'est normal. Ouais, oh, bah moi, tranquille, j'ai réussi à prendre légèrement un rythme. C'est pas pour me déplaire. Parce que je commence le boulot lundi. Si je me couche à 4h du matin pour me lever à 7h au matin, je vais être dans la mer. Mais surtout que je suis animateur, quoi, donc j'ai un peu du mal à enchaîner tout court. Oui. Là, je vais m'occuper des 4-5. 4 animateurs pour 40, plus de 40 gamins. Ah ouais. Non, mais ça, c'est au total, dans le centre, vous êtes très animé. Ouais, voilà, moi aussi je suis dans une école. Ouais, moi aussi je suis sur une école qui va être en centre de loisirs, mais je veux dire, c'est très animateur au total, pas juste à France-là, c'est juste très animateur dans l'école pour plus de 400, pour 4, plus 400 enfants dans l'école. Voilà, c'est en. Ouais, voilà, tu m'as dit en gros, un grosso merdo, tout le monde, quoi. Non, moi, je sais pas, nous on doit être à peu près pareil. Moi, je commence lundi là. Ouais. Bah en fait moi j'ai dit à mon directeur, je veux bien faire le 4-5, mais tu mets pas la tranche d'argent en dessous. Tu mets pas les 2-3. Les 2-3, je les fais pas, c'est le truc. Non non, il y a encore non, là il y a les 2-3 et t'as la crèche qui est encore en dessous. Et les 2-3, non? Et les 2-3, non, moi je veux pas les 2-3 pour la même raison que les 2-3, ça pleure toute la journée, ça chie toute la journée, ça pisse toute la journée dans leur futal. Non, en vrai, t'es pas animateur. Franchement, quand tu t'occupes des 2-3, t'es pas animateur, hein. En vrai, quand tu fais les 2-3, tu. Pour ça, moi, ça m'intéresse pas. Non, moi tu vois quoi, moi ça me dérange pas, salut Ozan. Moi ça me dérange pas de travailler avec les petits, parce qu'il y a des petits qui sont, moi franchement, il y a des petits qui sont attachants quoi. Y a la bazette. Non. Ah, moi je me rappelle mon dernier centre que j'ai fait, il y avait un 11 et plus, tu vois quoi, il faisait le bonhomme, tu vois. Genre il faisait le mec avec ses potes et tout. Et je me rappelle qu'un soir il était tombé en garderie et moi j'étais de cale. Et je sais pas, il a vu son animatrice, c'est une animatrice MF plus. Et là il lui a dit vas-y, il s'appelait Evan, quelque chose comme ça. Et il lui dit, ouais, vas-y, viens, on fait la danse que tu m'as fait cet après-midi. Le mec, il faisait le bonhomme, par contre, quand il était sans ses potes, il a commencé à faire une danse de meuf et tout, normal. Il fait, ah ouais, tu fais le bonhomme, et quand ils sont plus là, tes potes, ça y est. C'est...
Ah oui. T'as dit quoi, Juan? Yep, yep. J'ai vu. Ouais, non, mais laisse tomber. Y a tout le temps des gamins comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Ozan? Bah déjà là, il y a juste une petite question, t'as quel âge, Ozan? Il me semble, hein, j'ai pas envie d'être méchant, mais il me semble que sur le nom du chat vocal est marqué 20 ans plus. J'ai pas envie d'être méchant. Hein. Ah non, moi je te dis, moi j'ai... Bien, mais des fois j'ai connu des gamins aussi, c'était des peignes, hein, mais des fois je suis tombé sur des gamins, laisse tomber, des amours. Hein. Hop, toi tu dégages. Hop. Ah oui, mais après il y a des gamins, faut faire attention parce qu'ils font les miskines, mais au bout d'un moment, faut arrêter de les plaindre, quoi. Ah oui, non, je dis pas, mais après, moi, des fois, je me rappelle, moi, je me rappelle des gamins, putain, je sais plus leur prénom, c'était deux frères. Et je suis arrivé, mais quand je te dis que ces gamins, c'était des crèmes, n'importe quel parent les aurait voulu comme gamins, n'importe quel parent. C'était vraiment les gamins super gentils. À chaque fois que tu dis un truc, ils lèvent la main pour venir te donner un coup de main. Genre, le gamin, tu demandes, ouais, est-ce que qui veut venir m'aider à, par exemple, à faire ça directement, boum, il lève la main, il vient. Jamais un mot au-dessus de l'autre quand tu leur demandes de se taire, histé. Ils participent, ils sont gentils, ils sont polis, et c'était quoi? C'était des 5-6 ans, je pense. Mais vraiment des crèmes, quoi. J'étais sur le cul. Par contre, en comparaison, des fois, j'avais des gamins. Tu lui dis, tu leur dis, ouais, tu peux dire bonjour, pas envie, hein. Ok. C'est fou, le métier d'animateur, c'est feu. Je kiffe trop, moi. Là pour le moment je suis pas, j'ai pas une spécialité, mais moi je sais que dans mon BAFA j'ai fait la spécialité grand jeu. Mais sinon moi j'ai pas de spécialité, j'aime bien tout, c'est juste que on va éviter de me donner des trucs manuels parce que même si je suis un animateur je suis pas très manuel. Je suis sur son dos. Moi de toute façon c'est simple. Moi de toute façon même dans ma dans mon appréciation BAFA, il est marqué que je suis pas quelqu'un de manuel. Par contre, dès qu'il s'agit de se déguiser et de les mettre les gamins dans un imaginaire, par contre tu m'appelles, hein, y a aucun problème quoi. Ouais, si les gamins tu leur mets le feu. Il tombe. Moi je suis vraiment le métier d'animateur. Moi ce que je trouve dommage c'est qu'il y en a qui pensent que le métier d'animateur, ils disent que c'est un métier de fainéant. Mais... Sérieux.
Non mais de toute façon c'est simple, hein. Il y en a qui pensent que animateur c'est un... Mais qui disent que c'est un métier de fainéant, mais... Moi les gens je leur mets au défi par exemple de faire rien qu'une semaine, 8h, allez, 18h30, 19h30, juste une semaine. Les mecs à la fin de la semaine ils vont épuiser, et encore je dis 8h, 18h30, il y a des fois tu peux faire bien plus. Hein. Quand il y a un grand jeu tu dois tout mettre en place la veille pour le lendemain avec tous les décors, tous les trucs comme ça. Ouais, peut-être comme ça, les gens des fois se rendent pas compte que t'arrives à 8h. Et encore 8h, je suis gentil, si jamais c'est une journée où est-ce que vous devez partir, que vous devez arriver à 8h quelque part, que vous ayez un bus de prévu, des fois ça peut être parti 6h, 6h30, 7h. Et tu rentres des fois peut-être pas avant quoi, 10h, 11h. Ouais, les trucs. Ouais, mais les gens se rendent pas compte que... Moi, il y en a certains, je les mettrais bien au défi d'être animateur, quoi, parce que franchement. Et je sais pas si t'as remarqué, la plupart du temps, ceux qui disent qu'animateur c'est un boulot de fainéant, c'est habituellement ceux qui travaillent dans les bureaux. Non, moi, ben moi justement, c'est ma conseillère mission locale qui me disait. J'arrive. Moi justement, moi c'est ma conseillère mission locale qui me disait quoi? Qui me disait oui, tu sais qu'animateur tu pourras jamais avoir un temps plein, c'est pas un métier fixe, machin, bidule. Non, c'est sûr, mais. Vas-y, on peut le capturer. Ouais, mais après... moi, il me dit tout le temps, ouais, non, mais c'est très bien que t'auras jamais de temps plein et tout, mais sauf que moi, je lui répète que là où j'habite, en fait, là où j'ai passé mon BAFA, enfin, avec la mairie de là où je travaille, il va y avoir une liquidation, une grosse liquidation d'animateurs. Donc, justement, c'est le moment de faire ses preuves pour avoir justement un CDI, parce qu'ils disent qu'il y a trop d'animateurs. Ouais, on retourne au camp, ouais. Ils disent qu'il y a trop d'animateurs et encore plus trop d'animateurs qui branlent rien. Genre, moi, il y a le mec qui m'a dit ça, il m'a dit, ouais, moi j'ai vu des animateurs qui imaginent même pas ce qu'ils faisaient. Je lui ai dit, bah, donne-moi juste un exemple. Il m'a dit, ouais, je suis arrivé en cale, j'ai vu des animateurs assis sur une table, le téléphone à la main, le café dans l'autre, la mère qui attendait pour rentrer pour parler des animateurs, ils allaient pas là-bas. J'ai fait, ah, ouais, quand même. Ah non, ils étaient en cale. Non, ils étaient justement, ils étaient en cale. Ils étaient genre, ils étaient à la cale du soir. Et la mère venait par exemple chercher son gamin. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, les animateurs, ils ont peut-être pas vu qu'il y avait la mère et tout. Mais ils étaient avec le téléphone pendant la cale, assis sur une table avec le café dans l'autre main. Ils attendaient, ils étaient en train de parler, sauf que c'était pas de la mère, quoi. Il me dit des trucs comme ça. Et là, il m'a dit justement, là, c'est le moment de faire ses preuves pour potentiellement avoir un. Un contrat par derrière, quoi. Comme il faut une grosse liquidation. TFO, moi j'aime. Ouais, bien vu, moi je me donne à 100%. Moi de toute façon, moi c'est simple. Hein. Je vais arriver là lundi déguisé en gros gaulois sa mère, grosse beubar, gros casque. Les gamins, ils vont débloquer. Tu me t'appelles comment? Je m'appelle pas Quentin, je m'appelle Continu. Je me parle pas. Je suis un gaulois. Non, les grands jeux olympiques des gaulois, enfin, tous les trucs comme ça. La vérité, moi je vais arriver. Ouais, c'est Cantinix. Je vais arriver, mais ils vont débloquer. Hein. Et je vais me mettre directement dans le personnage. Ils vont me dire, t'es qui? Je suis Cantinix. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Tu veux me vénérer? Attends, je bois ma potion magique, je te mets une droite. Et je vais les retourner, les gamins. Mais vraiment, je vais les retourner. Hein. Et moi, quand tu me mets dans un film, laisse tomber, moi les gamins, je les retourne. Hein.
Je vais les éclater. Ah ça. Plus c'est jeune, plus ça plus c'est jeune, plus ça craque et moins il y aura de sang, quoi, c'est bon. Si ça. Là je me rappellerai toujours qu'un jour pendant un entretien d'embauche, la directrice elle m'a dit, dis-moi Quentin, je peux te poser une question? J'ai dit ouais. Elle m'a dit c'est une question vraiment, tu me réponds sincèrement. J'ai dit ouais. Elle fait est-ce que tu aimes les petits enfants? Là, je fais bah oui j'aime les enfants, j'aime les enfants, sinon je voudrais pas être animateur. Elle m'a dit non 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 non, est-ce que t'aimes les enfants? J'ai fait ah non. Non mais je sais pas, mais après elle m'a dit ouais, je préfère comme te poser la question parce que on a déjà eu des gens qui venaient des pédophiles. J'ai fait franchement j'ai une gueule de pédophile. Non mais justement, moi j'en ai pas une bonne. Non, parce que moi je suis le genre de mec avec casquette, bandeau sur la bouche, tout truc comme ça quoi. Bandeau de manga, tu vois quoi. Tokyo Ghoul sur la bouche, tout truc comme ça donc. Tu me crois pas? Bah ouais, bah je m'habille bien, mais je mets pas comme ça devant les gamins. Mais non, quand je suis en civil, j'ai ma casquette sur moi. Des fois, je mets ma capuche au-dessus de ma casquette. Et j'ai sur ma bouche et mon nez, j'ai mon bandeau Tokyo Ghoul. Je te promets. Et la petite fermeture au niveau de la bouche. Mais après, c'est juste un petit bandeau, tu vois. Après, non, si tu veux, j'ai le casque, j'ai le masque complet de Kaneki en noir et en blanc quand il est en mode ghoul. Avec le cache-œil et tout, le gros truc noir, je l'ai. Et lui, je l'ai en, ben ça, je l'ai en noir et en blanc. Non, oh, tu devrais, c'est le feu, c'est l'un des meilleurs mangas qui existe, mais animé, pardon. Cristo, faut que j'aille faire des cristaux. Il faut le voir pour le croire. Non, bah, Tokyo Ghoul, c'est le feu. Tokyo Ghoul, SNK, c'est le feu. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Et encore, si franchement déjà t'es déjà en train de kiffé, pas vu la saison 2. Oh là 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 là. Eren. Ouais, Eren. Eren Jaeger. Ouais, d'accord, en sauvant Hermine. Ouais, il a. Ouais, voilà, ouais, il s'est fait. Il a sauvé Hermine. Et il est sorti du titan. Il est sorti du corps de l'autre en mode titan, ouais, je me rappelle. Ouais. Bon, je vais bouser l'autre pétasse au-dessus là parce qu'elle va me saouler. Ok, non, mais de toute façon, tu vas voir, hein, mais si tu penses que de là déjà c'est bien, t'as même pas vu la saison 2. Hein. Mais quand je te dis que t'as pas vu la saison 2, tu t'attends même pas à certains trucs, mais vraiment. Ah ouais, non, franchement, il faut que tu te penches dessus, c'est. Ah, toi aussi, t'as kiffé le Gorizon?
Moi, je peux pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Les deux sont dans le même thème, tout ce qui est jeux vidéo. C'est juste que il y a SAO, c'est plus un truc dirigé, tout ce qui est corps à corps, tous les trucs comme ça. Alors que Log Horizon, c'est plus dirigé sur des magies de pouvoir. C'est différent en fait. C'est chacun ils ont leur petit truc. Un peu, ouais. Là, je suis mort quand même. Kirito Asuna. Akatsuki. Attends, je me fais appeler, attends.
sérieuse, laisse-moi tranquille, arrête de me harceler. Oh, me brise les couilles. Oh, désolé. J'ai une collègue. C'est la collègue, mais vas-y, elle aussi. Fais serrer. La collègue plus 40 piges, là. Fais serrer, elle aussi. J'aime pas travailler quand je suis animateur, que je déteste travailler avec des gens qui ont plus de 40 piges, surtout si c'est des femmes. Parce qu'elles sont plus... Elle rigole plus en fait, elle... Bah c'est pas ça, c'est qu'elle ne rigole plus, à cet âge-là elle ne rigole plus, c'est plus vraiment elle veut faire les choses carrées, sans déconnade, vraiment c'est tout sérieux, et moi j'aime pas ça. Moi je... Moi, elle arrivait, elle m'appelait, elle m'a dit, ouais, Quentin, t'as fait des affiches pour demain, nanana, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Wesh, tranquille, t'inquiète, hein. On verra ça demain. Non, mais ils sont taqués, je sais pas. Mais après, elle commence à me parler, à me raconter sa vie, oui, tu sais, nanana. En plus, la meuf, elle arrive, elle me dit, ouais, parce qu'on s'était vu la semaine dernière. Elle devait, parce qu'il y a une collègue qui était pas venue à une réunion. Elle lui a dit, ouais, t'inquiète pas, je la vois mercredi, je vais lui dire qu'elle va devoir faire ça. Elle m'appelle, là maintenant, alors qu'on fait les, on met la mise en place demain à 10h, elle me dit, ah bah tiens, bah, j'ai oublié de le dire. Ah bah, c'est parce que l'autre collègue qui était pas venue, c'était Alice. Elle me dit, bah moi, je l'ai pas dit à Alice, ce que je devais lui dire, j'ai oublié. C'est juste que non, moi. Vas-y, bah, il peut être capturé, mais il va lui mettre à 540 dans la bouche. Si, il a la tête de mort, Vas-y, moi je vais à Stera pour rendre 2-3 quêtes parce que sinon. Vas-y. Non, autant la collègue elle est gentille, tu vois, mais autant elle est lourde. C'est chiant ça. Et ce que j'aime pas dans la vie, c'est les gens lourds. Et tueur, t'es là ou on t'entend plus? Casse-toi. Allô, tueur? Ah, grande couronne d'argent pour Longjana. Mais tu es là ou pas? Faut que je vérifie. Je crois que ça a bugué. Non, mais là on t'entend, mais. C'est le cap qui défectue, à ma vie. D'accord. Ouais, ça. Je crois que c'est la première fois que je t'entends, tu vois. Putain, demain je dois aller tout mettre en place dans l'école, mais j'ai pas envie de la voir, elle. Mais j'aime pas vraiment, hein. Je me retrouve avec. Ah, j'ai envie de me regarder de l'auteur de ça. Je me retrouve avec une animatrice qui a. 19 piges, elle, par contre. Ah, bah, c'est cool ça. Une petite jeune. Chut, j'ai mis la misère. Autant par contre il y a deux autres. Ah non, il y en a une qui est gentille, si le banal est gentil. Une de mes collègues elle est super gentille, par contre l'autre elle s'est fait un peu serré. Alors là vous êtes de retour, la caisse de récolte est pleine, la tendance, ouais. J'ai gavé de trucs à faire. Ah non, moi je peux plus faire mes muses avec les animatrices. Moi aussi, ça fait plus de 40 ans. Enfin non, plus de 35 ans. Ah bah tu sais, il y en a qui ont encore du potentiel, non? C'est beau.
Et elle rentre dans l'air. Elle rentre dans l'air, là. C'est une dingue. C'est une belle, hein, je suis notre mère, hein. C'est une dingue, hein. Elle va pas vrai, hein. Et si elle braille, c'est plaisir. T'as de dingue, hein, je suis pas ta mère. Vous savez qu'il y a un dans la bouche avec la est-ce que je peux améliorer en tendant ce qui moi je vais relancer le contrôle, hein. J'ai fait tout ce que j'en ai fait hier. Et t'es touché. Vous m'inquiète, hein. Mais toi t'as dit que ça fait 17 ans que t'es animateur Attends, j'ai pas vu non 15 ton pseudo. Mido ouais voilà Mido excuse. Ouais, ouais ça, ça fait 15 ans que t'animes. Ouais. Ça là, j'ai commencé à 17 ans, enfin j'ai passé mon BAFA à 17. Et après bah j'ai pas arrêté. C'est feu ça. J'ai fait bah, pas mal de saisons, j'ai bougé un petit peu dans toute la France. Ça va. Après bah j'étais dans le sang, j'étais à Paris, j'étais en Normandie, j'étais dans les îles, j'étais les trois quarts du temps par contre j'ai préféré les Pyrénées et la Savoie. Ça fait l'animateur dans tout ce qu'il peut faire quoi. Voilà. Il y a un seul truc que j'ai pas fait, c'est animateur à l'étranger. Le seul truc que j'ai pas fait en animation, c'est animateur à l'étranger. Ok. J'ai eu l'occasion avec Fram, mais pas voulu. Fram, ça veut dire fatigué, rien à manger, donc merci. Et il est rentré dans tout ce qu'il pouvait rentrer aussi. Bah ouais, bon. Animateur, c'est un métier qui a ses avantages, quoi. Pour ça, d'ailleurs, je conseille l'animation de camping. Ça mon gars, animateur de camping, c'est tu baises encore plus qu'un animateur de Club Med. Je veux dire, j'ai fait deux Club Med et j'en ai fait un à Pompadour et un en Haute-Savoie, avec les Alpes. Et jamais autant baisé. Et bah pourtant, dans les campings, c'est là où tu baises le plus. En soum soum, derrière la caravane des Gitans. Ah bah attends, les jeunes enfin les groupes de divorcés ou de mères célibataires ou qui ont envie justement de décompresser, de se faire un petit truc tranquille, sans prise de tête, pas trop cher, avec la plage pas loin. Bah je peux te promettre, juillet, août, tu vas sur l'île de Ré, tu forniques à t'en faire péter le totem. Eh mon totem, j'ai vu qu'il est en bon état. Hein. Voilà, tu trouves un bon camping sur l'île de Ré. Pas trop sur l'île de Léron, parce que l'île de Léron, ils sont pas regardants. Mais par contre, non, sur l'île de Ré, là par contre, c'est sélectif et c'est pas de la cagode. Hein. De toute façon, animateur, moi je kiffe ce métier, c'est le feu, comme on dit. C'est ça, c'est le feu sacré. Moi, à côté, je me trouve avec mon gros métier de branleur. Tu fais quoi, toi, déjà? Je suis graphiste indépendant. Donc, ça va encore. Ouais, mais c'est un métier de branleur, tu vois, je bouge pas, moi. Moi j'ai des contrats, je dois faire la brocale. J'ai rien à faire. Ouais, bon, pour mon derrière, c'est parce que t'es quand même mieux payé parce que nous le premier truc qu'on nous apprend en animation, c'est on fait pas ce métier pour la paye. Ouais, c'est ça. C'est bien. Mais derrière, j'ai envie de dire que voilà, vivez, qu'est-ce que je veux dire? Ah, des expériences de vie. Moi, j'ai derrière. Ah, ça oui. Aucun doute.
Mais t'inquiète, je le prends en considération aussi. Après l'argent, je me suis dit, oh merde, j'ai pas fait, je suis derrière. Oh, vous êtes déjà en train de taper le mob. Ouais, bon, ouais. Ouais. Moi je suis encore en train de jouer sur mon téléphone, j'ai pas encore bouffé et tout, vous êtes en train de taper le mob. Oh, et... J'arrive. J'arrive, on est toujours sur moi. J'ai toujours de la merde sur moi. Tu me diras, en tant que petit humain, littéralement parlant, on en a tout. Donc... Tiens, pas cette juste. Mmh, le caca, c'est délicieux. Mmh, ça a l'air un peu pas mal. Mmh. Et le truc aussi, quand t'es animateur, qu'il faut pas avoir peur, c'est ne pas compter tes heures, quoi. Ah oui, non, ça, les heures, ça existe pas en animation. C'est un concept vraiment très évasif. Lundi, tu peux très bien faire 1h30, 4h. Comme mardi, tu peux arriver, tu peux faire 8h, 22h, quoi. C'est ça. Et puis, tu peux embaucher pour faire 7h, 17h, et puis finir faire du 7h, 19h. Hein. Je veux dire, quoi, c'est presque... Dans beaucoup de travail, j'ai pas dit tout, j'ai dit beaucoup de travail quand t'es pas cadre. C'est ça. J'ai tellement ça au mondial que t'es pas un étudiant, t'as pas le droit. Si t'es pas cadre. Bon, tu payes des impôts, mais franchement, il faut bien les payer des impôts. Eh oui, je le disais bien, je me disais bien que ça sortait le décès pour le joueur français parce que j'avais de reprendre mes potions. Ah mon pauvre. Bah, j'ai changé d'arme pour lui parce que ça commence à me saouler. Alors... Équipement, hop, katana. Des nouvelles armes. Oh, j'ai plus de méga potions, on va en faire. Effectivement, non, coffre, artisanat. Voilà. Merci Christine. Oh, il est mignon, dans le mec, il a voulu me tendre une embuscade. Ah non, mais il est mignon, ça va essayer. Hein. Tu vas en jouer à 28, il est mignon. Oh, c'est juste qu'il est venu, alors je me suis dit, on va plus qu'il est là. Et quand il servait à quelque chose,
Il est fatigué. Quoique. Ça va dans ça comme bas, ça. Elle est pas encore verte, ça va. Je sais. Comment? Ah, ça y est, t'as été capturé. Ah, vous jouez un monteur en terre. Bon, vas-y, moi je me taille. Hein. Ah, même pas. Ouais. Ah, ciao. C'est quoi ce gamin? C'est qui ce gars? Je sais pas. Et son con, c'est qui ce bouffon en fait? J'en ai absolument aucune idée. Je n'ai pas d'hypo dans mon nom. Non, non plus. Non plus. Ouais, c'est celui à qui c'est son ami, et les gars, faut se refaire une liste d'amis là. Ah bon, ma liste d'amis. Oh, les mecs, ils sont avec un coup de batte de baseball dans la gueule, faut les supprimer, quoi, les gars. Eh, ça me fait pas penser à une blague. Bon, c'est l'histoire de deux. C'est l'histoire de deux petits, en fait, bah, de deux enfants, tu vois quoi. Et qui lui dit, toi, comment tu t'appelles? Elle me dit, ben moi mes parents en fait, il y a une plume qui est tombée dans mon berceau, ils m'ont appelé plume. Et toi comment tu t'appelles? Poutrelle. Qui a donné un poutrelle dans ton ventre avant? Moi j'ai déjà eu des enfants un petit peu... Ouais, mais je me rappelle un petit peu, mais pas tu vois quoi, genre je suis arrivé, j'étais en train de surveiller les enfants, c'était les 4-5 ans. Non, les 4-5 ou les 5-6, je sais plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une plaque d'égout, il y a un petit s'appelait Alessio. Et je lui ai dit, Alessio, ne joue pas avec ta voiture au-dessus de l'égout, parce que tu vas arriver, tu vas pleurer, parce que ta voiture va tomber dans l'eau. Mm-hmm. Il me fait, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. 4 minutes plus tard, il est en pleurant, ma voiture tombée dans l'égout. Ah, t'en as des qui sont doués, je te jure. Ah, mais t'en as des fois, je me dis, c'est pas confirmé, là. T'es là, tu le regardes et tu fais, bon, bah écoute, mon garçon, t'es peut-être un peu jeune pour apprendre ce mot. T'es un peu con. Mais tu vas assumer, je t'avais prévenu, tu l'as dans l'os, voilà. Poutrelle. Ah, t'en as des qui sont doués, je te jure. Tu vas retourner dans le camp, vous, ou à ce terrain? Je suis un prof, je me rappelle plus, je suis en train de voir mon téléphone. Je suis un stéro là. Moi aussi j'étais en train de faire un petit coup de rouler à Peter. Et Peter? Et Peter. On trouve un pétard. Et on trouve un pétard. Oh merde. Je retourne au camp quand même. Qu'il a fait, vous l'avez fait l'anal du dessin? Il a quoi? Qui c'est qui l'a fait Sauce-Craft, l'anal du dessin? Ah, je l'ai pas encore fait. Moi, je l'ai fait. À faire absolument. Bah ouais, je sais, mais il faut que je regarde les autres saisons, sinon je vais rien comprendre. Mais... Tu vois ce que je veux dire, enfin, tu sais, au niveau, ouais, non, mais au niveau fan de Sauce Park, est-ce que vous avez vu l'épisode avec le magasin de bœufs médicinal? Ouais. Ouais, j'ai vu, moi. Ah, tout le monde l'a vu? Donc tout le monde, voilà. Ok, ouais. Vous savez qui c'est qui le tient dans Sauce Park, la nappe de
Oh yeah. Oh tu sais. Tu l'as fait toi, la note du dessin? Moi, ouais, ouais, je l'ai fait. Moi aussi je l'ai fait, il était trop bien. Ah, toi aussi, il est excellent. Ah, ouais. Ouais bah ouais, mais je l'ai fait. En fait, comme j'ai pas vu les trois dernières, je trouve, les quatre dernières saisons, tu sais. Bah après la note du dessin, ouais, il est pas mal là, sur la dernière, enfin il est pas mal tourné sur la dernière saison, elle était sortie. Bah c'est pour ça, il faut que sur la saison 1. Je vais l'acheter en demain. Il faut que je regarde les épisodes avant, sinon il y a des films, je vais pas comprendre trop de clins d'œil que je vais pas comprendre, ça va me saouler. Ah bah ouais, il y a des clins d'œil dedans. Ouais, bah ouais. Les yaoi notamment. Les yaoi. Ouais, ah ouais, t'as des yaoi à trouver, après je n'en dis pas plus si t'as pas vu l'épisode. Mais t'as des yaoi, d'accord. L'épisode d'ailleurs est énorme. L'épisode sur les yaoi est vraiment génial. Et c'est sur qui? Ah bah no spoil mon gars, no spoil. Pas de stress, y'a point yes. C'est ça. Vas-y bon, je dois encore faire un manjana, moi, je suis parti là. T'es pas lancé la quête sur Astera? Ouais, depuis Astera, mais attends, je vais regarder si j'ai encore un contrat en jeu d'alpha. Il me semble que j'en ai encore. Ok. Poutre. Quelle RC c'est bon pour toi, en fait? Bon, je vais regarder, je vais pas. 131, 132? 132, j'ai plus tard. Ouais, j'ai un manjana, là, 4 récompenses. Eh oui, hein. Forêt ancienne, l'Anjana vers le camp 8 normalement. Un Anjana et un monstre, et deux monstres alpha. Si vous avez besoin de... Enfin j'allais dire si vous avez besoin d'un coup de main, non techniquement vous n'en avez pas besoin. Mais... enfin bref, c'est dispo. Ouais ouais. En fait c'est plutôt toi si t'as besoin de coup de main. Voilà, c'est surtout ça ouais. C'est plutôt ça quoi, parce que là en fait, là où est-ce qu'on en est, parce qu'on est en train de faire, tu peux pas les faire en fait, c'est les monstres alpha, et les monstres alpha, tu les débloques uniquement quand t'as battu le boss de fin de jeu, et deux mobs juste derrière le boss de fin de jeu en fait. Après le RC 15 comme je te disais sans vouloir. Ah d'accord. Après juste après, en gros t'as le boss de fin à battre, une fois que t'as battu le boss de fin, t'as deux mobs à tomber en alpha, ouais. Et après t'auras les contres alpha disponibles. D'accord. Et ça et après il faudra farmer pendant longtemps. Et c'est quoi ton arme de prédilection, Mido? Mon arme de tu m'as dit mon arme de prédilection? Bah c'est l'arme avec laquelle que tu joues là, que tu utilises. J'en ai deux, enfin il y en a deux que j'utilise principalement, c'est la Volto H et l'arme à la légère. Ah la Volto tu vas bien t'entendre avec Pasteur quoi. Il joue beaucoup à la Volto et il pourrait donner plein de conseils à l'ami. Parce qu'il joue beaucoup à la Volto depuis qu'il a commencé le jeu, il est RC. Il doit être RC 50, 60, une connerie comme ça. Et il a joué uniquement à la Volto en fait. D'accord. Donc tu pourras donner quelques conseils à l'ami. Par contre, moi j'ai vu un stream d'un mec, ça m'a étonné, moi qui jouais, j'ai vite fait jouer à la Volto. Tu peux lancer ton ultra méga attaque élémentaire sans que ton épée soit chargée. Ah. C'est possible, je sais pas, jamais essayé. J'ai vu ça sur le stream d'un mec et il lançait ses ultra média attaques élémentaires sans son effet chargé. Je sais pas, c'est ceux qui jouent aussi avec un talent qui permettait de garder les charges plus longtemps. Il a fait des comptes en gros avec ces joyaux là. Ouais, je pense que c'est ça. Et en fait, en gros, quand tu joues avec ça, ton bouclier est chargé 2 minutes 30. Et quand ton bouclier, en fait, quand tu mets puissance absolue, au lieu que ton bouclier soit chargé 2 minutes 30, il reste. Non, 4 minutes 10. 4 minutes 10? Ah ouais, c'est 30%, c'est pas 20%. Oh. Laisse tomber, c'est feu. Et le mec, il lançait que des ultra méga attaques élémentaires, il tapait tout le temps 1000. J'ai envie de jouer la corne de chasse, ça vous dit? Mm-hmm. Ok. Je joue l'arme bah voilà, je suis sur l'arbalète ouais. Légère. Je suis sur l'arbalète légère. Ouais, c'est sympa. Mais bon, après, bah, le but c'est d'avoir toutes les armes et toutes les armures. Donc. Pas forcément, tu verras que par la suite, tu vas devoir te concentrer vraiment que sur une seule arme et une seule armure pour vraiment donner des outils. Parce que après, ça va coûter cher en ressources, en thunes.
Donc, tu vas voir, après une fois que j'aurai plus rien à, enfin je veux dire après une fois que j'aurai plus rien à faire, plus de gros monstres à battre, plus de. Je mets juste un joyau et je lui dis c'est. Tu verras que même quand tu penses que t'auras plus rien à faire, t'auras toujours un truc à faire, crois-moi. Les putains de couronnes. T'auras tout le temps des trucs à faire, mais tout le temps. Par exemple, même moi là qui suis RC 132, j'ai encore des trucs à faire. Les putains de couronnes. C'est ce qui est génial. Eh bah tant mieux, comme ça je me ferai pas approcher. Même pas une question de couronne, c'est surtout une question de ce que j'ai besoin, c'est les joyaux. Donc là je suis en train de farmer les mobs alpha. Je vois, il y a des joyaux que j'ai jamais fait tomber. Je vois que je suis RC 132, j'ai jamais fait tomber de joyaux berserker. J'ai jamais fait tomber, putain, je fais que des farm alpha quoi. Genre, je dois avoir 60 ou 70 Valazak, une trentaine de Nergi, une trentaine de Teostra, une trentaine de Kushala, des trucs comme ça quoi. Putain, il veut pas tomber ce personnage, donc je me merde là, casse le cou. Est-ce qu'il y a un truc, un craft à faire pour augmenter la capacité de la sacoche? Non. Non, il y a vraiment que ça. Ouais, ta sacoche, c'est la place que tu auras du début à la fin, quoi. Après, il faudra t'opter en fonction de ce que tu as le plus besoin. Voilà. Ouais, c'est moi. Désolé d'avoir mis autant de temps, jamais dû aller la Néridante. Maintenant, on va avoir récupération de vie foule. C'est fou, hey, franchement pour moi la meilleure compo qu'il puisse avoir c'est quelqu'un à la corne de chasse, un mec au fusil lourd, un mec à la grosse épée, je sais pas moi, un mec à double date katana, ce qui t'invite. Mais c'est pas cette compo là, mais laisse tomber le gars que tu fais. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais moi selon moi la meilleure pour faire une solo ça reste un set de gueule. Non, franchement, t'as tout. Moi, j'irais plus katana, parce que katana, tu peux atteindre les mobs qui soient en l'air, tu peux taper les bombes, les mobs et tout, par contre. Mais aussi. Ouais, mais la secto-blade, par exemple, quelqu'un qui commence un match comme moi, aura plus de facilité à prendre en main un katana qu'un secto, tu vois ce que je veux dire? Pas forcément, je suis pas d'accord. Franchement, vis-à-vis de ça, je suis pas d'accord. Bah si, parce que l'insecto, il faut quand même comprendre l'histoire des insectes, savoir que les trois insectes, tu les récupères sur trois parties différentes, tous les trucs comme ça. J'aime bien des trucs compliqués, moi j'aime bien quand c'est compliqué, tu vois, un peu chiant, et c'est un petit peu terre-terre, quoi. Franchement, l'insecto, moi ça me tente bien plus que le katana, quoi. Katana, c'est vraiment un jeu très classique. Après, si t'aimes le jeu classique, c'est clair que katana, c'est dommage, quoi, tu peux pas faire mieux. Non, par contre, moi, l'arme que j'ai vraiment kiffé là, parce que ça fait vraiment beaucoup trop de dégâts, je pense que ça va se faire nerf, c'est les dagues. Ça fait beaucoup trop de dégâts, je crois. Mais vraiment, genre, moi, le mob il est à terre, je lui mets un combo en mode démon avec affinité, je lui mets juste un combo triangle rond, hein, je dois lui mettre du 500. En sachant que ce combo, tu peux là le spammer. C'est beaucoup trop fort, je trouve, les lames. Donc je pense que ça va se faire nerf. Ça va être chiant pour les arènes, les prix. Ah, les quêtes arènes, moi je les ai fait. Bah, j'ai eu trop fait, moi, les 50 quêtes arènes. Je les ai faites parce que j'ai fait là les armes de l'arène. Ouais, il m'a frappé ce con, j'ai pas vu. Oh non, moi j'ai fait les quêtes arènes. Parce que moi j'ai fait le katana de l'arène, les dagues de. Pas les dagues de l'arène, le katana de l'arène. La grande épée de la reine. De toute façon, les meilleures armes quand tu veux jouer full DPS avec les joyaux, c'est les armes de la reine. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure arme, quoi.
Allez. 8 poney. Petite question. Les Kirin en fait de rencontre à l'écran. Alors il faut que tu fasses des quêtes, je pense que c'est des quêtes libres, tout ça, et tu vas devoir tu vas le trouver en fait en complétant les quêtes du botaniste, et au bout d'un moment il va dire dans la frontière, mais tu ne trouveras jamais en exploration tout seul. Parce que j'en ai entendu énormément parler du côté enfin, du Kirin. Et faut que je le vois quoi. Kirin c'est une de mes bêtes, une de mes créateurs fantastiques préférés, faut absolument que je vois comment ils vont faire. Grosse licorne bleue. À tête de lion. Qui fait beaucoup trop mal le Kirin. Quoi que ça peut être ça plutôt un lapin. Ça va pas lion. Par contre, Chir, on t'entend presque. Enfin, bon, on t'entend mal, on dirait que tu parles dans un genre d'étau. On t'entend très mal. Ça va pas de vie, les gars. Bah non, justement. Oh Pouquet, vas-y putain, je suis en train de déguiser ta pute de merde. Moi je demanderais bien un petit peu de vie comme si ça m'avait fait claquer des copos s'il te plaît. Bah j'ai pas le truc mousquetaire, tu veux que je me mette en mode full mousquetaire, je vais le faire. Non mais toi par rapport à la vie, comment dire. La récupération à fond en fait, la récupération. Ah ouais non, toi c'est la récupération que tu mets, c'est pas de la vie. Ah d'accord, non ok. Attends, j'ai non, fait... c'est bon, tranquille. Hein. Je vais faire un truc, je reviens. Je vais mettre mon stuff mélomane. Équipement, mélomane. Mon stuff mélomane. Ouais. J'ai appelé mon stuff mélomane le stuff avec la corne de muse en fait. Ah d'accord. C'est un set en fait, c'est un set. Ok. Ah, alors mes sets ils sont pas. Moi mes sets je leur ai trouvé des noms très très originaux. J'ai panneau feu, panneau glace, panneau de foudre et puis voilà. Moi j'en ai préféré si possible eau résistance E, glace résistance foudre. Foudre résistance. Bon, il y en a tellement à faire. Ah ouais, pas 120, pas 150 remplacements. Ouais. Les gens qui ont pas compris qu'il fallait jouer avec des résistances, sinon c'est fou. Hein. Surtout pour le Kirin. Je joue pas avec des résistances moi. Ouais, vas-y. Mais qui j'ai été aidé à... Bah, je sais pas, tu vois qui, Cyrus, One. Ouais, je vois. Et bah, hier, on a été aidé à lui faire son Kirin Alpha Plus. Et j'avais moins 12 de résistance au don. Ah ouais. Et c'est ça le challenge. En sachant que là, au te one shot, aller l'affronter avec un truc, bah, t'as pas de résistance, quoi. De toute façon, il va te one shot alors. Ah oh, vas-y, casse les couilles, c'est ton jardin de merde. Ah oh, putain, ça me saoule. Par contre, là, faut le capturer, sur ça va être contre toi, faut que tu le capturer. Putain, par contre, il m'a saoulé là. Ouais, le mode, il m'a attaqué, je vais dans le coin, il me suit, il me rattaque, je me rebarre, il me suit, il me rattaque. C'est bon quoi, laisse-moi un peu tranquille, plus de plus. J'aime pas dans le jardin, ça me saoule, mais. Le jeu est pire. Hein. Ah ça, non, ce mob est stressant quoi, il est chiant de ouf, il te laisse pas une seule seconde de répit quoi. Là je préfère encore me taper des dragons anciens que se taper une espèce de tigre de merde.
On boite. Okay. On va laisser aller dans son million de capture. J'ai mis la chaîne en jaune. Moi j'ai eu la plaque. Alors merde d'acier, furtivité, apothicaire, anti-explosion. De la merde. Hein. Non, c'est de la merde qui donne mon jaune. Non problème. Je pense je pense que t'as peut-être pas fait les alphas parce que Corinne, moi il me restait juste celui-là à faire. J'ai pas fait les alphas, il m'en manque un. Donc le prochain, on va faire ensemble là. Ça va faire tomber tout seul, Dieu. Là, je vais peut-être aller taper si j'ai moyen, si j'ai un dragon ancien. Je vais sûrement en taper un. Hein. Écoute, moi j'optime mon step là. J'ai l'impression de faire un truc qui va pas. Bon, ça il est fini. J'ai pas de codé aussi. J'ai pour le level up électrique. Pour le level up électrique. C'est quoi ça? Mais je suis en live. Ah ok. Je suis en live et j'ai mis un système de rente et en gros plus les gens restent longtemps sur le live, ils gagnent de l'XP, s'ils parlent ils gagnent de l'XP, enfin tout ça quoi. Ok. Okay. Ça fait rire, Denisa, ça fait rire. Vas-y, je t'affiche ton palico pour aller faire un safari. Ouais. Prends donc. Hop, t'acquisition de palico, c'est parti. En espérant qu'il trouve du bon travail, sinon je vais défoncer un petit lit. Nique la mère, nique la mère. Défoncer, tu me dis, mais je. Non, plus croquette, bâtard. Ah non, c'est fini le problème. C'est fini de Cheba, je te dis. Ça va passer à la marque Cora. Vas-y, je vais faire le full assist avec tous les trucs médecins. Bah moi je vais d'abord essayer de voir si c'est à moi que je peux récupérer les derniers animaux capturés là.
Alors, bon, voilà, je vais arrêter un peu les contrats, une fois. Je vais aller chercher les derniers petits animaux. Les derniers petits animaux. Il me reste le putain de papillon fantôme et la marouette rugueuse. Papillon fantôme. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous rejoindre si vous faites du alpha. Si vous faites pas du alpha. Ouais, non, là, je pense pas que je vais capturer l'alpha. Je sais de voir s'il y a moyen que je capture les. Au moins le pierre, quoi, la marouette rugueuse. Au moins juste elle, quoi. Du petit alpha, vite fait. Val putride, je suis le cochon. Oui, c'est ça. Val putride, c'est le porc. Et après, papillon fantôme, ah ouais, c'est la libellule divinatoire, mais d'une certaine couleur. Donc ça aussi. Pour moi, il n'y a pas de trophée pour les autres, alors je m'en fais pas. Ouais, moi, je vais essayer de les capturer, tant que il m'en manque que 3, il manque le papillon fantôme. Il se récupère là où il y a le pouquet dans la forêt ancienne, mais il faut qu'il fasse et nuit et qu'il pleuve. Alors, il n'y a rien que ça. Ouais. La libellule. Non, il faut ouais, la libellule divinatoire, il faut la récupérer au camp 17 de la forêt ancienne. Faut qu'il fasse nuit et qu'il pleuve aussi, je pense. Et l'autre piaf, bah, c'est un random, un putride, sur le dos du porciné. Je fais dos de porciné. Après tous les autres, je sais, la reine tortilleuse, le truc frétillant, la reine tortilleuse. J'avais déjà, je viens de trouver la libellule mes couilles, la libellule bleue dans Valkyrie, et je l'avais déjà en fait. Donc en vrai, ils m'ont coupé les papillons fantômes. Par contre, j'ai une complétion bonus de points RC pour la quête événement Neige et fleurs de cerisier. Quand tu la complètes, en fait, t'as un bonus de points RC après. Ça intéresse quelqu'un que cette mission c'est deux alpha. Je suis en train de m'en faire quelques parce que j'ai toujours pas de niveau. Ouais, c'est RC 30 et en fait, tout en bas de la quête, c'est écrit complétion de points, bonus de points RC. Ça en veut. Ouais, ça veut dire qu'en gros, tu gagnes plus de points de RC quand tu l'as fait, quoi. C'est vrai, ok. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un truc plus tard encore. Non, c'est juste en gros. T'as le bonus en fait, c'est plus de points de RC si je me trompe pas. Tu vois, parce que. Ok. Parce que c'était écrit dans des ordres désertiques, par exemple, c'est une quête que le capitaine de 3ème petit donne. Ils disent tout en bas en vert, première complétion, nouvelle outil sur lui. Donc, est-ce que le bonus de points RC il est pas permanent pendant une semaine? Moi, je vais essayer de la faire. Écoute, je suis bien fait avec des gens qui sont rejoints d'une quête pour l'événement. Vous êtes des précédemment, et puis tout ce que je dis, c'est ça me vient un truc. Ah, mais c'est une quête événement? Ouais, c'est une quête événement. Mais en événement, t'as pas justement. Ah, ouais, mais c'est des nouveaux trucs. Ouais, c'est plus les Jagras et tous les trucs comme ça qu'aujourd'hui, c'est quoi? J'ai pourtant dit ça tout à l'heure. Hein. Là, t'as un Lesiana et un Ratian, ça trouve. Oh, c'est du bon map ça. Je vais niquer ça après, moi, je pense. Bah écoute, vas-y, mais c'est chaud de rester avec ma corne de chat, je viens de bouffer. En plus, les deux c'est des volants, je peux les faire la grosse épée, hop, ils volent.
flasher une kilomètre. Tourne à toi, le sky. Ok, ouais, fais l'événement et dis-nous ce que c'est, parce que là, ouais, moi je cherche mon pissaf. Si t'attends une minute de plus, j'arrive. T'es chaud de la faire avec moi? Y'a quelqu'un qui est chaud de la faire avec moi? Ouais, t'as une minute. Tu as, je pense. Vas-y, ok. Bah écoute, elle est postée. Elle s'appelle Neige et Fleur de Cerisier, c'est dans la journée. En plus, le nom est genre badass. Faut pas m'en vouloir, moi je suis très en retrait parce que je suis assez. C'est assez fait de base en fait. De base, c'est vrai. Je n'ai pas de téléphone, mon petit monsieur. Hein. Qui est en train de déchirer les oreilles avec son micro? Aucune idée. Ok, ça marche, je joue le fil. Hop là. Est-ce que le pied a filé sur le dos du Mosswing? Réponse de suite. Et non. La réponse au prochain épisode. Voilà pour ton four ancienne. Les grands 17 pour un truc. Coup de go. Je vais balancer une cuisine de trois. Sauf si t'es chaud qu'on fasse juste. Non, non. C'est un petit bonheur puis c'est tiens. Hey, salut Amy, comment tu vas? Bonne soirée. Là.
Ah, fais quand même attention à toi, Emilien. J'espère que ça ira mieux. T'es quoi, t'es sur le Léviana ou t'es sur le Racial? Je trouvais la Racine. Ouais, je vois. Ouais, mais non, c'est pas trop quand même, Mimi. T'inquiète pas pour moi, mais si t'inquiète, je sais pas, ça va d'abord. Ah. Je me suis fait mal. J'avais du ménage à faire et je regarde les petits, donc pas le choix. Et toi, comment va? Ça va, je me suis réveillé tôt, je profite de jouer. Quoi de spécial, quoi. Je me suis levé tôt aussi, ouais, bah pareil. Bouge plus. Je me suis levé les PMUFR, vous savez. Quelque chose comme ça. Ça va être des pizzas à quoi qui vont manger le pied? Et si j'aime bien, je m'écoute ça. Ouais, je devais aller en cours, mais ce matin j'avais tellement mal que j'ai laissé tomber. Bah, tu m'étonnes, si t'as le dos quasi bloqué, tu vas pas faire des efforts pour aller en cours en sachant que c'est, tu dois marcher, tous les trucs comme ça. Sachant que pour aller jusqu'à ton lycée, tu mets quoi? Tu mets une heure, non? Ça me comme ça. Bon, bah, j'ai rien qu'une heure pour aller au lycée, déjà ça me casse les couilles, hein, donc en plus j'aurais dû mettre une heure pour y aller. Mais... crois-moi, j'aurais séché toute l'année.
Oui, lycée, j'ai deux étages, une araignée de bus. Non, c'est sticker. Moi, je n'irai pas. Allez, on suit le docteur. Et franchement, cette quête, elle permet d'avoir tout le train sans photo. Bien, c'est sûr. Bah, moi, j'ai eu, tantôt, moi, j'ai eu le trophée, professeur Asmosram. Ça fait quoi, en gros, mettre tous les niveaux de recherche au maximum. Ah non, moi je sèche pas. Ah si, moi c'était dans ma nature de sécher. J'étais dans une école d'art, gros. C'est dans notre nature de sécher tous. C'était dans ma nature, mais au contraire, c'est l'école, à la limite, c'est l'école qui me disait viens pas, quoi. On me disait sèche. Tous mes profs me disaient Quentin pour dormir en cours. En vrai, viens pas. Ah, maintenant je les écoute. Et... Chaque tu réponds à son moment. Les profs te disent un truc gentiment. Ben, moi je réponds. Hein. Mais pas moi. Ouais, ça je sais très bien, mais. T'es une bonne heure. Alors vous me croirez pas, il y a un odoragon qui vient de déposer un cadavre de Wyvern sur le... Voilà. Au calme. C'est pointé, il m'a mis un cadavre de Legiana. Ouais, parce que les Legiana vont mourir dans le bol putride. Ouais. Ils échoppent. Et tu sais qu'il peut même dépecer le cadavre de Legiana mort. Ouais, bah, c'est ce que je viens de faire. Tout est relatif, ouais, c'est ça. Ah, c'est beau la nature. Même pas une semaine et je suis majeur, putain, vive. Ah bah, tu m'étonnes. Apporte-lui sa bouteille. Faudra fêter ça, hein. Après, faudra pas trop fêter non plus. Ah bah si, la majorité c'est justement celle qu'il faut fêter. Au taquet. Pour ma majorité, je l'ai pas fait en boîte. Je regrette. Pareil. Dans ma vie, il y a deux trucs qu'il faut fêter dans la vie, c'est ses 18 ans et son enterrement de garçon. C'est faux, moi mes 18 ans je les ai fêtés mais pas comme je voulais quoi, je suis parti en boîte, je fais pas de gueule en boîte, c'est mieux. Ah c'est pas vraiment ça, c'est faut faire juste le truc, tu prépares quelques potes, tu leur dis de te montrer un truc sympa, avec des quiz à 2 balles, avec voilà, genre burger quiz, des trucs comme ça, c'est tu ramènes juste les meilleurs potes, de bonnes bouteilles, un peu de matos pour ceux qui fument. Non, je vais faire chez moi avec des bons potes. Ah bah ça va alors. On sait que, enfin nous, les anniversaires, les fêtes, on est un groupe de 9. Et bah on se voit pas tous les jours. Mais par contre, quand c'est anniversaire ou fête, voilà, on rassemble tout le monde et genre, bah il y a un pote qui est aussi animateur et moi, bah, on organise bah, tous les jeux de la soirée. On fait des quiz, on fait des trucs à la con. Des trucs bateaux quoi, mais sous alcool et avec un petit peu de matos, eh ben tout le monde s'éclate. Les crevards des minerais. Non, mais pas mal ton casque.
Alors, 28. C'est pas 28. Oh putain, ça peut quand même bien monter. Hein. Mais ça fait quand même bien XP ou pas? Ouais. D'XP, ça c'est sans compter. Ça. 3 quarts de la barre. Ouais, donc moi je vais prendre entre le quart et la moitié quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas négligeable. Mais moi c'est le RC là, je comprends pas. Moi j'ai pas pris spécialement. T'as pris combien de RC toi? 3 quarts. Il a pris 3 quarts de sa barre. Ça me dit une grande chasse, c'est juste 3 monstres, mais on fait tous les 3 que je les filme. C'est quoi? 32 580, je crois que je vais claquer un ticket. Il faut faire le pôle de nuit, Titi Gaku, la base liège, j'ai besoin d'elle pour les trous, pour son casque anti-bruit, le pôle de nuit, pareil. T'as fait une chose, on devrait pas en faire. Mais ouais, c'est pas grave, sinon t'inquiète, je la fais solo, ça va bien maximum à fond. Là, si je veux maximiser mes matchs. Désolé, okay. C'est radasse. C'est 32 000, je les prends quoi avec un ticket. J'ai des têtes 54 000, je vais les faire aussi. Alors moi, je vais faire la quête des déserts. Ouais, j'hésite aussi, on va faire la quête, elle fait encore un bon expert, là. Elle donne une armure, parce que pareil, j'hésite avec la femme. Voilà. Ouais, l'armure, il y a déjà une armure quand tu fais certains trucs à l'arène. L'armure Croix de Guild. Tu peux. Croix de Guild, je l'ai. Mais il y en a une autre encore. Non, hein. Il y en a encore une autre, à ce qui paraît. Bah non, parce que j'ai parlé avec quelqu'un, justement, j'ai fait de l'arène avec quelqu'un qui, lui, a tous les trucs de l'arène en A. Mais qui est arène en rang A, il n'avait rien. Il a juste eu le Croix de Guild et c'est tout. Ok, donc c'est ça la même chose. T'as dû être dans le forum, quoi. Après, peut-être qu'il y a une nouvelle ces 2-3 derniers jours, mais moi, à ma connaissance, c'était... C'était quand tu lui as parlé? Si c'était une semaine, c'est caduque, hein. Moi, je te parle de la d'un message qui a été posté hier. Ah non, je lui ai parlé il y a ouais, à peu près une semaine, ouais. Ouais, ben ouais, ça doit être caduque, je vais aller voir sur le grand compte, c'est quoi? Je vais aller voir, je vais faire mon petit... Peut-être l'armure intermédiaire, c'est ce que j'ai vu sur les forums. Ah, ça y est, j'ai enfin suffisamment de d'écofact pour retourner chez WAM. Les phases de Horatian, normalement, c'est bon. Allez, t'as pas à fighter. On va voir les caporales de notre le même. Ah, comment est Führer ? J'ai rien avec des bonjour. Ah, ma général. Vous là? Ouais, t'es souhait. Ouais, bah tiens, dis-moi comment ça passe. United. Ah, ah, ma générale, j'arrive. Allez, cherche-toi, putain, truc.
Hop là, oula, téléphone qui glisse. Oh, je suis dans la forêt ancienne, il pleut, il fait nuit. Sur Rift le Papillon. Ici. Bon. Je n'ai pas là, c'est vide papier. Papillon de lumière sous les projecteurs. C'est pas grave, on t'en veut pas. Salut Zafira. Oh Isafi, ça va quoi? Salut Crash, salut à tous, comment ça va? Bah écoute, la forme et toi? Ça va, tranquille, du bain quoi. Bah alors on t'a pas vu ce matin? Tu dormais ou? Non, j'étais en train de faire mon ménage et tout ça. Ah d'accord. Quand j'ai regardé justement les joueurs en ligne, je voyais que t'avais déjà commencé il y avait 3 minutes. Je me suis dit, mais ça va, on n'a pas commencé. Ah si, hein, moi je suis levé depuis 8h30. Ouais, mais la même. Je suis levé à 8h30, j'ai pris mon café, j'ai pris ma douche, j'ai fait mon ménage. J'ai été chercher un collègue là aussi. Alors, rejoindre la session. Si, le 26 janvier. Ouais, t'as un collègue chez toi? Ouais. Hi le collègue! C'est rare, hein? Bon, c'est bien. Fumez pas trop, je vous surveille! Bah, moi j'y fume. Eh, pas bien. Trop tôt, écoute-le lui. Il fait sa mijaurée. La mijaurée. Quand c'est du rhum, il vit pas, mais. Pour le reste. Il y a un master card. Pour éviter de tourner au. Non, je suis en train de taper. Ouais. Je suis en train de chercher des animaux qui me manquent là. Ouais. Bon, 3 mois, mais je fais le tour depuis tout à l'heure, là je vais t'aller taper de l'alpha. Ah, ouais, j'aurais besoin d'une invite. D'une invite là pour la session. Ouais, je te fais ça. Merde, tu veux bien laisser le voler? C'est genre toujours à la fin. Tu peux le laisser jusqu'à la barre en ferraille normalement. C'est bon. On verra mieux. Alhamdoulilah. Bon, un petit kérine pour se chauffer ou quoi? Ouais, c'est ça pour toujours. Hein. Et court vite en plus. Je l'emmerde. Enfin, je dis je l'emmerde, mais en même temps, je dois le taper là, c'est pour les 4 libres. Ouais, ben ça va, c'est les kérines bidon aussi. Ouais. C'est pas le gros Kirin d'aller d'aller tout au poste. Pas le Kirin. Pas ça. Le Kirin Justice Ballot qui t'enlève la moitié de ta vie. Ça n'a rien que dit, oui, t'enlève la moitié de ta vie. Vous êtes dans quel temps vous déjà?
en plusieurs. Bah tu sais que tu peux rejoindre la session tétra, hein, je suis dedans. Et bah tu sais que en fait je suis même pas dans les tétras là. J'ai trois plans mais pas les tétras. Ok, dès que tu viens, je vais t'inviter. S'il te plaît. On va faire une petite invitation maintenant. Hop, salut. Il y en a un qui est occupé, qui a rien à faire, qui est dispo. Ouais, moi. J'attends juste. Non, parce que là, je me tape de la Racine Rose tout seul pour la première fois. Ça court. Ouais. Pour l'Escarlux. Il y a un peu de nom. Et alors, moi, je la connais pas, mais alors pas du tout. Ouais, mais c'est comme le tout Racine. Sauf qu'elle a que tourne en diagonale. Attaque en poison, un feu et puis il fait très mal. C'est bon. Faut juste te dire que la Racine Sakura c'est comme la Racine mais on est plus fort et mais ben, c'est le même en fait, elle fait juste plus mal, elle a une ou deux attaques en plus. Ah c'est pas la crotte. T'as pas de barre de vie quand même. T'as tout un fait que visuellement tu vois quand tu commences à tenir. Elle est un peu comme Eliane. Elle manque 36 minutes et elle manque le guide. Je me mets du 49. Pas trop que c'est réel. Ah ouais. Il mais putain, fallait qu'il y ait un dégât qui se pointe en plus. Il y a le péricanthrope là, je vais le pêcher. C'est qui du coup là qui fait la Sakura? C'est Milo. Ok, t'es déjà en tête? Ouais, j'ai envoyé une fusée de détresse. Ok, alors j'espère que je vais te trouver comme ça. C'est une mission. Hein. Là je te vois pas. Fais retour au QG et balance la quête du QG. Que je te rejoins une détresse. Okay. Je te vois pas dans ma QG une détresse. Si je peux, je le fais. Par contre, je suis sur la session de mon clan, alors je sais pas si tu pourras me rejoindre. Ah, t'es pas avec les... Oui, je vais t'inviter dans la session, Mido. Ok. Ben, en attendant, ouais, je te rejoins dans la session et je vais juste me prendre 5 minutes pour aller filmer le cop, si ça vous dérange pas. Oui. Imagine, t'es habité comme ça, là, tous les jours. Attends, juste ton invitation, j'accepte et après je filme la cop. Ouais, je suis dans un chargement, ça va faire dans 30 secondes. Ok, je te remercie. Tout.
faire en fait. Ouais. Je vais prendre la table. Oh, de périphérique USB connecté au passeur. Ah, y a le pigeon sur le dos du Mossoui. Marouette rugueuse. Solide comme un roc. Capturé. Un oiseau légendaire trouvé dans une vie étrangement vache. Il voyage, je sais pas. Les phrases que tu modifies, c'est dans les phrases automatiques? Non, personne. Ouais. Ouais. Hein. Le troisième. C'est le plus à droite. J'ai marqué des petits trucs. Bah, tu peux le changer, ça aussi. J'ai dit pour level up MI et 30. Possible. Voilà, ben j'ai le pigeon que vous voulez capturer, la marouette rugueuse, là, sur le dos du port. Pour les bombes, faut me faire comme moi, faut marquer à la web bar. Pour les bombes, moi j'ai marqué je vais tout péter à la web deck. Ouais.
Ah merde, putain. Allez, il manque plus que le papillon fantôme, mais normalement j'ai capturé tous les mobs rares du jeu. Voilà. Là, c'est le jour. Là, c'est le jour. En fait, on a... On a mis 3 secondes, mais... Ah putain, je l'ai eu. Un papillon trésor et n'apparaît que les jours ensoleillés. Papillon fantôme. Salut, ça où? Hop là. Ça dégage. Non, il va pas mettre un coup. Papillon fantôme. Pour l'ancienne, à la place où il y a le Pouquet, où il est mis du Pouquet. Ok, d'accord. J'ai trouvé le papillon fantôme. Bon, voilà, j'ai capturé tous les mêmes rares du jeu. Eh ben... C'est pas une masse à faire. Non, c'est allé. Ah ouais, vas-y, faut rerouler. Tu lui as envoyé l'invitation? Alors que vous êtes guéri, genre que machallah. Machalux, halalux. Machallah. C'est très bien, soigne-moi, vas-y encore. Lorsqu'un allié est KO, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai marqué encore un plot, oui, j'ai... Maintenant j'ai pas un collègue qui revient dans les temps. T'as pris la vie, Mido, là, ou pas? Rien du tout. C'est le céréal qui meurt. Attends, on va la refaire. Inviter un ami, hop. Je dois avoir l'empreinte avocat, Midonégie. C'est lui-même. Inviter, envoyer l'invitation. Et voilà. Ah, je vais regarder un truc. Je vois pas rien pourtant. Là c'est bizarre. Bah ouais, parce que j'ai toujours là, j'en serais toujours là. Bah ouais, non, bah je sais pas. Bah tu sais quoi, je vais fumer ma clope et puis je reviens. D'ici là, ça sera peut-être passé. A tout de suite. A tout. Qui est parti, c'est Mido. Mido, il est parti fumer sa clope, ouais. Encore? Vas-y, je vais. Non, il avait pas encore été, il attendait que je lui fasse l'invitation, mais à chaque fois que je l'invitais, il recevait pas, donc Ok, attends, vas-y. Ah ouais, putain, Boléro du désert, quoi. Kuluyaku, Barjiria, Raskan, Diablos. Tu es très moche, mais tu es très beau. Voilà, tu as tout compris. Allez, yallah, c'est parti. La maïf qui m'a envoyé mes amis un peu. Carrefour, Orange, Choisir, je sais pas pourquoi il m'a envoyé des messages. La maïf. Parti pour la guerre. Mais ta gueule, petit palicot des couilles.
chat arrête pas de violer. C'est honte. Pas les coups de mes plates. Ah oui. C'est marrant, je m'entends résonner dans... Ouais, c'est pareil, moi aussi, c'est dans le micro de... Tueur. Ah. Ouais, là où est le bec? Alors, il est pas au loulou. Il est pas au loulou. Je suis parti un peu au loulou du coup en attendant Milo. Oui, hein. Moi je suis en train de tester la quête événement. Qui disait la complétion de RC, je sais pas quoi. Ouais. Que si c'était ouais. Une quête qui peut faire gagner beaucoup plus de rangs de RC, donc j'ai peut-être la farmer, sachant que c'est deux alpha. Oui, c'est vrai que ça s'est réinitialisé. Hein. Ah. Je dis que je passe 10 heures là-dessus, là, les yeux ils prennent un coup. Mais ça c'est la merde. On l'a pas trouvé, quoi, au début, là, tiens. Quelqu'un s'est fait chier à niquer un titi, quoi. Ah bah le voilà.